Mon travail, il part dans plusieurs directions, mais c'est toujours un travail d'observer et de montrer des choses hors contexte et travailler dans la minutie et le détail. Et le travail que j'ai fait ici au Parlement, c'est une série en continu sur laquelle je travaille depuis déjà 2016. C'est en fait un détail qui est devenu le sujet. C'est un détail de plume de pigeon que j'ai approfondi, retravaillé et qui est devenu finalement une chose en soi qui a pris une forme sans que je le sache. Enfin, ça a pris vie tout seul comme une chose organique qui s'est mis à grandir. Et donc maintenant je fais des variations de plumes comme ça qui ne sont plus basées même sur des plumes mais que c'est juste de l'improvisation qui sort de mes bras, de mes mouvements. Et les couleurs, je voulais faire des couleurs un peu qui rappellent une jungle parce que je voulais encourager une entrée aussi pour les vélos. Jamais les entrées de parking souterrain, c'est jamais très drôle, donc je voulais que ça ait un peu un effet de nature dedans. Et c'était très gai d'être, comment dire, pas surveillé, mais sous la protection de la police militaire pendant la peinture. Et je me suis un peu inspirée aussi des couleurs de l'or camouflage, donc c'est un peu des couleurs organiques, camouflées, qui peuvent aller avec toutes les saisons. Il y a des verts, des bruns, ça bouge un peu comme les feuilles au travers des saisons en Belgique.